Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. Si je me battre. Eh, hey, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce que ça va aller pour lui? Comment il va s'en sortir dans la vie? Ben, on dirait un poisson. La mort? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, hey, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Eh, hey, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? Me battre? Ouais. T'es une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. Ouais, on dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. J'ai pas raison. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille, là. C'est pour la 2! Cale numéro 2!
un diagnostic? Ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Oh!
C'était quoi? Charlie, aide-moi! Oh putain, non! Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. C'est qui cette fois? Oh, putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici! Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre position, je le répète.
C'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Won't you spare me over till another bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr.
généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah, quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah, ouais. C'est... Pardon? C'est un peu la honte de prendre des cours tout seul. Ce qui est plutôt la honte, c'est d'être venu jusqu'ici en comptant sur moi pour t'aider. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément plein aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles? Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais, mec. Elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Pigé? Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Hé! Hey, au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait... c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Oh,
pardon. Conrad, voici Alex. Hé, hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi, c'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. À vrai dire, j'ai un petit souci avec... le mal de mer. Bradley. Écoute, c'est très simple. Il n'y a qu'un remède au mal de mer, c'est de siffler une bière. Non, mec. Tu ne diras pas la même chose quand tu me verras cracher mes tripes, tu vois. Si tu le dis. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Hé, hey, tu vas devenir un homme, grâce à nous. T'inquiète pas. Oh. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs? Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, c'est ça te dit, je suis partant. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Wow, hé, hey, matez ça. C'est quoi? On dirait un bombardier. Tu peux zoomer? Ah oh ouais, pas de doute, c'est un B-29. C'est bien, non? Les chatons, c'est bien? Ou les chevaux miniatures, c'est bien? Brad! Eh, j'ai grave assuré. J'ai pas le droit à une petite danse de la joie? Attends, comme ça. Ah ouais, ah ouais. Donc, le B-29 est un super fortress. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient censés voler le plus haut possible tout en ayant la capacité de transporter des ogives nucléaires. C'était et... vraiment de la bombe. De la bombe? Ouais! Oh, j'adore! Pardon, ouais. Je m'emballe un peu. S'il te plaît, t'arrêtes pas. Fliss, on a trouvé un avion! Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Attends, tu voudrais qu'on plonge pas? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne touchez à rien. Ah, oh, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve? Je vais aller me renseigner un peu sur les B-29. Mm.
essayer de parer à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Hé, tu devrais peut-être parler à ton frère. On pourrait rentrer par ce trou. Tu sais comment ça marche ? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Hey, petit frère ! Salut ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hey mec, ça va ? Merde, j'arrive toujours pas à croire qu'on ait trouvé l'avion. Bah, moi je dois dire, j'avais de sérieux doutes. Tu m'étonnes. Avec ce qu'on avait au départ, c'est presque un miracle. Et quelques heures sur le net. Mec, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez découvrir. Tu crois qu'il y a quoi là-dessous ? D'après vos images, ça doit être un avion de sauvetage, ce qui est grave cool. Je sais pas s'il restera grand-chose, mais quand même. Faut prendre la caméra. Sans images, je te croirais pas. Si jamais on remonte un truc, on regardera ensemble et tu me diras ce que t'en penses, ok ? Grave. Depuis quand tu dis grave ? Depuis que j'ai compris que c'était fun. Swag. Ouais, à tout à l'heure. C'est ça. Merci d'être passé. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. On dirait bien que c'est un faux. Salut. Salut, chérie. Le matériel va pas tarder à être prêt. Encore merci d'avoir payé pour tout ça. C'est cool d'avoir du bon matos. Quoi ? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein ? Je veux simplement qu'on participe tous les deux à part égale. Dans notre relation. Financièrement. C'est très gentil, Alex. Mais tu participes différemment. C'est que de l'argent, si ça nous permet d'en profiter, cool, c'est fait pour ça. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. En parlant de ça, je voulais te dire que je suis quasi sûr que son permis de plongée est un faux. Le tampon est pratiquement effacé. Et j'ai remarqué aussi quelques fautes d'orthographe suspectes. Ça explique son comportement. Je me demande ce qu'il y a d'autre. Ouais. Ça pourrait peut-être nous être utile si elle nous fait encore son numéro de Sainte-Nitouche. Les avocats de mon père adoreraient cette histoire. Parfait.
Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. J'ai presque terminé. Cool. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Hey. Salut. On a vraiment pu prendre des super photos. Carrément. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Ça y est, c'est prêt. À la tienne. Ok, j'ai pigé. Combien ? Combien quoi ? Combien d'argent est-ce que tu veux pour enfin nous lâcher un peu la grappe ? Toi ! C'est pas du tout une question d'argent. Tu sais quoi ? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Ok. Bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine ? Tu t'abandonnes jamais, toi. Hein ? Alors, ils vont plonger ou quoi ? Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. La journée... Ok, les gars. C'est parti ! Et n'oubliez pas les règles. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon ? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Dommage que Fliss soit si coincée. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme.
ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors? Non. Ton dévoué garçon de cabine? Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien, ton bateau. Où t'as trouvé le fric? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. Salut, ça va, tranquille? Est-ce que je vois, tu profites au max de ton petit moment de relaxation? J'ai de très nombreux talents. Dommage que le charme n'en fasse pas partie. Ah, mais mon charme est comme un boomerang. On a l'impression qu'il fonctionne pas et puis, paf, on succombe. C'est n'importe quoi. Fais gaffe de pas t'emballer, mon grand. Eh, moi aussi, j'aime bien prendre mon temps. Ouais, tout mon temps. On se revoit plus tard, Conrad. J'espère bien. Garde ces tableaux, moi. Je vous salue, ma chère. Auriez-vous besoin de moi? J'ai bien quelques petites idées. Oh, j'écoute. Peut-être plus tard. Et seulement si tu te tiens à carreau. La météo est bonne.
Waouh, c'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes me causent pas d'ennui. Hé! Hey. Hé! Hey. Tu vas bien? J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Hé, hey, Fliss! Là, un bateau! Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Hé, hey, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? $10 en tout? Oh, oups, pardon, disons $20. Ah zut, vous diriez plutôt $30, c'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaire, mais je comprends. Hop! Ne jouons pas les radins! Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais. Sur la tourelle arrière. Ah! Bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh, bon sang, Alex, on a réussi! T'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise! Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti! Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur?
de te faire le relou. Ça va aller. Relou? Sérieusement? Je suis mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi un peu, Froussa. Moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Relax, je vais bien, tu vois? No problemo. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Bon sang! Oh. Oh. Il tient quelque chose. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Ah, quelle saloperie! Je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Hé, hey, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Allez, viens là, mon grand! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. D'accord.
disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? Et merde. Alex, je suis désolée, je voulais pas. C'est juste que... On vient de passer à deux doigts de la mort. Julia, je suis sérieux. Alex, oh, c'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Hé, d'où est-ce qu'il sort ce bateau? Hé, attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! Hé, on doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon! Go, go! Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh, la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad? Plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, direct, têtu. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail! Donc, en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine... Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot... Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Hé, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein. Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Mais, bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit... Hé, je vais en boire une. Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Alors, ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith?
Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs, j'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, hey, t'as vu mon frère? Ou fils? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Alerte, alerte! Les gardes-côtes sont là! Quoi? Balancez toute votre cam! On doit foutre à l'eau tout notre matos! Faut pas qu'ils nous prennent vivants! Oh, mais fais chier! Ah, quel kiff! Trop bon! Sérieux, arrête un peu tes conneries, Julia! Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Hey! Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Et pas à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je suis pas si niais que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même? T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain? Ouais, ça me paraît un peu trop dangereux pour moi. T'inquiète, je serai avec toi et ça ira. Je vais aller chercher Julia. Hé, hey, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille? Oh non, non, j'avais la tête ailleurs. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là calé l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? On a trouvé un plan de vol qui disait que l'avion était en mission de sauvetage pour une base située à proximité. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fleece, hé, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai, on aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok,
Peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? J'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie. Et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ah, eh ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. Chut. La femme lui dit : je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Waouh ! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok, donc, qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein ? C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses ? Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop dégueu. Bravo, super la chute. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond, t'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok, allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy, alinéa 10.9.9. Je vois, et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Thank you.
Tu me calmes. Ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé hey. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Regretter, espèce d'enfoiré. Tu vas pourrir en prison. Personne ne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle ? Quoi, connard ? Stop ! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Connard ! Hé ! Je vais te buter ! On s'occupera de lui plus tard. Ouais.
Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ok. Ok. Julia, ils reviennent. Ils ont rien fait, Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent vouloir récupérer du fric. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon. C'est rien. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Leur chef, il a un flingue. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise, les choper. Si vous arrivez à les distraire, je peux me glisser jusqu'au hors-bord. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On n'a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Yeah.
prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Olson! Viens voir! Bon alors, lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui sait sur cet or de Mandchourie? Ah mec, pourquoi t'es pas parti quand on a eu l'occasion? Ouais, j'ai pigé. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Je crois pas ce que je viens d'entendre. Je viens juste de perdre tout ce que j'avais, et toi t'oses me sortir ça? Vous êtes tous dans la compile. C'est un piège, et tu nous l'as tendu. Hé, hey, couillon! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Quoi? Ramène-toi. Hé hey, voulu la paix. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Off Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Hé, j'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il a bousculé un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Balance-moi tout ça!
camarade? Il a pu se cacher? Je sais pas où il est. On peut pas le laisser là. Il pourrait se noyer. Il faut qu'on le fasse sortir de là. C'est dangereux. Brad, allez, montre-toi. Bouge. Est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Vous refusez mon aide? C'est très louable, admirable. Sans doute stupide. Nous le saurons bien assez tôt. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte! La porte! Vite, la porte!